Bonjour à toutes et à tous. Il n'y a pas longtemps, je me suis mis à regarder Stranger Things. Oui, je sais, tout le monde connaît. Et effectivement, j'ai été plutôt surpris en bien par cette série. Je dois avouer qu'il y a une très belle image, un très bon jeu d'acteur par des enfants. Mais c'est surtout les transitions qui m'ont choqué dans cette série. Toutes les transitions sont très bien préparées, elles sont assez ingénieuses. C'est pour ça que j'ai décidé dans cet épisode de parler des transitions. Alors déjà, qu'est-ce qu'une transition? Une transition, c'est passer d'un plan à un autre, que ce soit dans une même séquence ou dans deux séquences séparées. Ça peut se faire via la vidéo ou via le son. Il existe donc plusieurs types de transitions. Je vais d'abord vous faire un listing des transitions avec chaque fois des petits exemples. Alors bien évidemment, toutes ces transitions, tous ces raccords permettent de donner une fluidité au film. Tout dépend de ce que vous racontez, ce que vous voulez paraître à l'écran. Bien évidemment que les transitions sont faites de sorte à rythmer votre film, à passer d'une séquence à une autre selon le thème imposé par la séquence. Toutes ces transitions et ces fondus permettent de rythmer votre film à la manière dont vous voulez et par rapport à ce que vous allez raconter. On a aussi plusieurs types de fondus. On a le fondu au noir qui peut être utilisé soit comme ouverture, soit comme fermeture. Ouverture pour passer typiquement du générique au début du film ou fermeture pour finir le film aussi sur le générique. On a aussi le fondu au blanc. Le fondu au blanc, c'est exactement pareil que le fondu au noir, sauf que généralement c'est utilisé plus souvent à l'intérieur du film que à ses extrémités. C'est souvent utilisé aussi pour les périodes de rêve. D'ailleurs, dans mon dernier film, Première épreuve, je l'utilise à plusieurs reprises, notamment pour l'entrée et la sortie du rêve. Il peut tout à fait aussi être utilisé en ouverture ou en fermeture d'un film, sans aucun problème. Ensuite, il y a finalement le fondu enchaîné. Le fondu enchaîné, c'est quoi? C'est superposer deux plans, donc qui vont se fondre comme ça l'un à l'autre, et qui permettra en gros de faire une espèce de transition aussi de temps, comme si le temps passait. Le cut, qu'est-ce que c'est le cut? En fait, c'est un raccord direct entre deux plans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition d'image au noir ou de fondu par-dessus. C'est un plan qui passe directement d'une frame à l'autre à un autre plan. C'est très souvent la manière la plus utilisée dans une même séquence, mais c'est aussi très utilisé pour passer d'une séquence à une autre. On a aussi les volets. Alors les volets, c'est beaucoup moins utilisé dans le cinéma. C'est vrai que ça fait beaucoup plus effet PowerPoint, mais c'est tout de même utilisé. Je l'ai utilisé d'ailleurs moi-même dans une de mes vidéos pour mon association Prête à Tourner, où on voit donc Pierre qui passe de la rue à une petite salle de projection en un claquement de doigts, et je fais cet effet grâce au poteau qui me permet de créer un volet de la droite vers la gauche, ce qui me permet de passer d'un thème à un autre, d'un milieu à un autre. On a ensuite le jump cut qui est en gros une séquence qui est en plan fixe où on assistera à une succession de cuts où on verra les personnages vivre à l'intérieur du cadre et ça fera un peu cet effet ellipse de journée qui passe. On a aussi des transitions dans le son qu'on appelle des fade-in ou des fade-out, qui nous permet elle aussi de passer soit d'une séquence à une autre, d'un plan à un autre, ou de commencer ou finir le film. Ensuite, on a plusieurs types de raccords.
on a le raccord dans le mouvement, que ce soit un personnage qui se déplace et on va cutter par rapport à son déplacement dans le mouvement, ce qui permet d'être fluide et d'être rythmé. On a aussi le raccord dans l'axe. Donc le raccord dans l'axe est typiquement passé d'un plan d'ensemble à un plan rapproché sur le personnage pour continuer la transition et faire quelque chose de lisse qui découle dans l'image. Dans Premiere Pro, j'utilise à peu près tout. C'est vrai qu'il y a déjà des fondus pour l'ouverture et la fermeture du rêve, mais il y a aussi souvent des cuts au noir ou des cuts très, très enchaînés, très superposés pour créer une ambiance assez spéciale, comme on peut le voir dans la scène d'hallucination. Après, souvent, il faut bien choisir ses transitions et les réfléchir, comme j'ai pu faire aussi dans Nostalgie. Voilà, pour passer de la réalité au rêve, cette fois-ci, j'ai pas fait un simple fondu blanc. J'ai fait une transition objet, c'est-à-dire que dans les rêves, le personnage va faire tomber un stylo que le personnage dans la réalité va ramasser. Donc, dans le regard du spectateur, on a l'impression que c'est une continuité dans la même séquence, alors qu'en fait, on passe d'une séquence à l'autre. Pareil dans Première Épreuve, pendant la séquence de la boîte, plutôt que de passer de l'étape bar à salle de danse en accompagnant le personnage avec des cuts dans le couloir, en le voyant avancer, je préférais faire un volet de haut en bas pour passer du bar à la salle de danse comme si, y avait un mouvement de grue, alors qu'en vérité il y a un cut entre deux séquences. Typiquement, dans une de ces séquences où un des personnages est dans une forêt assez sombre et va se faire attaquer par un monstre, on fait un cut très sec sur un tapis ou quelque chose qui se déroule, et ça fait tout de suite effet avec l'accompagnement du son. Your mom doesn't knock. C'est là aussi, c'est super bien trouvé, donc en fait c'est une transition dans le texte. C'est-à-dire qu'on passe d'une séquence à une autre avec un personnage qui dit « Est-ce que ta mère ne toque pas ?» et ensuite on passe à quelque part rien à voir avec un autre personnage qui, elle, est en train de toquer à une porte. Donc il y a beaucoup de transitions comme ça. Il y a une autre séquence où un des jeunes va dire qu'il va prendre sa douche et on passe suite dans la séquence de la douche, mais de la douche du policier dans la série. Donc il y a beaucoup de transitions comme ça par le dialogue qui sont super bien trouvées. Drink. Calm your nerves. Là aussi, transition entre deux séquences via un mouvement, via une action, c'est-à-dire que le policier tire, on passe sur la deuxième séquence avec une télé cassée par un impact de balle, qui fait une belle transition par le mouvement et l'action qui est en train de se passer. Là aussi, c'est une transition super intéressante, c'est une transition avec un fondu et qui va fonctionner en rapport avec la lumière, c'est-à-dire qu'on passe d'une alarme avec une ampoule rouge à une espèce de guirlande, elle aussi rouge, placée au même endroit dans le cadre. Et donc ça permet de passer d'une séquence à une autre en utilisant la lumière, en jouant de la lumière, et ça aussi c'est un très bon effet de mise en scène. Transition assez simple mais qui marche aussi dans la mise en scène, c'est-à-dire si vous avez des personnages qui sont pas au même endroit mais qui font la même chose, comme là se faire un câlin entre deux personnages, et ben, ça vous permet de passer d'un plan à un autre à deux endroits différents tout en restant assez propre dans le cadre et puis avec une certaine ligne. Et enfin une dernière, où là aussi c'est assez bien trouvé, on passe d'un endroit assez sombre en plan d'ensemble avec un mouvement de caméra qui part vers le ciel, et un petit effet de montage, ça doit être un morphing où on voit le tiroir en gros partir du ciel et venir en gros plan. Ils font beaucoup ça dans Stranger Things, passer d'un plan d'ensemble à un gros plan, passer d'une séquence à un autre,
Pour conclure, bien évidemment, vous avez toutes sortes d'effets ou de bases pour faire des transitions. On n'est pas forcément obligé d'avoir d'After Effects pour faire des transitions intelligentes, que ce soit par les personnages, par le dialogue, par la lumière, par les mouvements, par le lieu, par ce que vous racontez, par le rythme de vos films. Stranger Things, justement, elle regorge de ces transitions, donc n'hésitez pas à aller voir la série. Il y a aussi Doctor Who qui travaille pas mal les transitions dans la série. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.